Découpé. On la refait. S'il vous plaît, les toquis. Sur la route, les toquis, faut arrêter de parler, on retourne. Oui. Menteur. Action. Coupé. Je crois que c'est absolument indispensable de se documenter un minimum quand on fait un film, notamment un film historique et en plus un film de guerre. Surtout quand on sait que moi je suis alsacien et en 2004 lors des 90 ans de la Première Guerre mondiale, du début de la Première Guerre mondiale, très peu de médias ont parlé de la guerre en Alsace. Action. Ouais, je les ai. Dépêche! Hop! Sauce de merde! Couvrez-moi! Coupé! C'est coupé. Donc, on est au Hartmannswillerkopf, au Vieil Armand. Donc, c'est un site de la guerre 14-18, surtout, je crois, utilisé en 1916-1917. Donc là, on est en plein dans les tranchées, dans les lignes de front. Il y a eu 30 000 morts ici, et donc le film retrace un peu les pérégrinations des restes d'une unité qui était au front et qui attend la relève, qui n'arrive pas et qui donc va essayer de rejoindre les lignes arrière par quelques moyens. Elle est bonne. C'est coupé. Ok, c'est coupé. C'est coupé, on vérifie. Non, c'est 44. Tu regardes où là? Plus à droite, plus à ta droite. C'est une tige ça? Et tu peux me faire ça, non, mais derrière, il a c'est sur la branche. Ouais, c'est là. C'est le petit bouquet là. Ouais, la tige qu'on voit devant là. C'est agréable et à la fois difficile, quoi. Parce qu'il y a des pentes vraiment difficiles d'accès. Je pense que pour la régie, c'est une horreur. On peut même pas difficilement placer une table et tout ça. Pour nous aussi, du coup, comédiens, enfin, rien qu'un raccord ou se remettre en position exacte sur les rochers qui bougent et tout ça, c'est pas forcément agréable. Ou évident, surtout. Mais ça donne aussi un truc magique, quoi, au film dans la nature. Et la difficulté est un petit peu aussi mon moteur. Les huis clos en intérieur avec toute la séquence se passant dans la même pièce. Moi je suis quelqu'un qui aime le grand air et s'il y a moyen de tourner en plein air plutôt que tourner enfermé entre quatre murs au centre d'une ville, moi je préfère. Allez, silence partout. En position pour répéter. Grenade! Eh bien, Lasso, c'est un personnage qui vient d'Afrique et il vient du Burkina Faso. Et je joue le rôle d'un Burkinabé. Il est bien vrai que je suis Camerounais, mais tout ça, c'est l'Afrique. Donc, il y a eu pas mal de tirailleurs qui sont venus en Alsace pour libérer la France. Et c'est l'un de ces personnages que j'incarne. Donc, Lasso, lui, il est assez spécial parce que c'est un chasseur d'ossos. Et les ossos, c'est les chasseurs qui ont des pouvoirs étranges, les balles ne les atteignent jamais. Enfin, ils ne sont jamais transpercés par le métal. Donc, c'est pour ça qu'il est le dernier survivant des tirailleurs. Et c'est lui qui aide sa compagnie à poursuivre, à combattre, jusqu'à libérer, jusqu'à, du moins, à vaincre l'ennemi. Et toi, tu es libre d'aller où tu veux. Libre? Je ne connais même pas ta terre, ni tes prussiers là. Je sais seulement qu'ici, l'amour fait de très bonnes affaires et que je suis très loin de chez moi. Moi, je suis presque chez moi.